Bonjour François Bayrou, merci d'être avec nous. Bonjour. Bien sûr en direct de Pau, confinement oblige, vous êtes maire de Pau, vous êtes président du Modem. D'abord un mot sur les chiffres, les chiffres qui continuent à être terribles jour après jour, des records, 3500 morts depuis le début de l'épidémie, 499 en 24 heures. Les Français se préparent de plus en plus à l'idée que ce confinement, il dure, peut-être au-delà du 15 avril annoncé. Est-ce que c'est aussi ce que vous jugez le plus sage alors, je pense qu'il euh, serait très imprudent de faire des pronostics euh, à court terme euh, optimistes. Je ne euh, suis pas certain que dans deux semaines, les raisons qui ont conduit au confinement seraient, euh, seraient euh, finies. Euh, je pense au contraire que tout ce qu'on voit dans les chiffres et dans la dynamique des chiffres conduit à penser que euh, probablement euh, les pouvoirs publics seront euh, amenés... Euh, euh, à prolonger ce délai-là et donc tout le monde s'y prépare. Il euh, n'y a pas un Français qui croit que tout ça va se lever euh, à l'instant. Euh, je pense au contraire que ce qu'on voit, c'est la nécessité euh, d'avoir euh, des disciplines, d'avoir euh, des conduites prudentes, euh, d'avoir euh, tous ces gestes et toutes ces attitudes qui font que la propagation du virus sera ralentie à la fois pour que les hôpitaux ne soient pas encombrés et pour qu'on attende, j'espère que ça viendra un jour, traitement et vaccin. On va y revenir euh, d'ailleurs sur euh, cette sortie et les modalités de sortie ensuite euh, de ce confinement. Mais d'abord un mot sur les inégalités que ça révèle, que ça réveille peut-être. Euh, ceux qui peuvent télétravailler, la plupart du temps des cadres, euh, ceux qui sont obligés de se rendre au travail, souvent les plus modestes, qui prennent donc le risque de la euh, contagion, on a quand même un peu le sentiment que c'est deux France euh, qui ne sont pas forcément traitées à la même enseigne. Euh, comment est-ce que vous voyez ce risque éventuel d'explosion des inégalités euh, je pense que tout le monde a conscience que euh, chacun où qu'il se trouve a des responsabilités et des devoirs. Alors il est vrai que ceux qui sont dans le travail manuel, dans les interventions, je pense aux équipes qui sont les équipes de, des communes, des, des départements et des régions, ceux qui font que les autres peuvent vivre, ont évidemment des responsabilités particulières. On a organisé des équipes qui se relaient et puis il y aura, je le pense aussi, des, des gestes à faire pour montrer qu'on tient compte. Mais c'est vrai qu'il y a des, des genres gestes. de vie différenciés, c'est pas la même chose. Oui, des gestes financiers, je voulais dire des primes. Euh, c'est vrai que ce n'est pas la même vie, ni le même confinement, euh, lorsque vous avez une maison et un jardin, euh, même petit, et lorsque vous avez un petit appartement pour une famille nombreuse. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les tensions augmentent, euh, les tensions à l'intérieur des couples, les tensions avec les enfants, il y a même parfois une augmentation des violences. Euh, c'est vrai, ce n'est pas la même vie. Et c'est pourquoi il faut être très attentif à la manière dont on régule euh, le confinement euh, selon les quartiers et euh, selon les euh, les espaces de vie euh, où l'on est, où l'on se trouve. François Bayrou, vous parliez à l'instant de gestes éventuels. <coughs> euh, le gouvernement a mis en place un certain nombre de systèmes, notamment pour les entreprises, mais de manière plus immédiate, quand on parle, euh, comme vous le faisiez à l'instant, de ceux qui doivent aller travailler, on pense bien sûr aux Tensionnaires, aux caissières, à tous ceux qui sont dans la logistique du transport qui assurent aujourd'hui euh, la chaîne alimentaire également. Est-ce qu'il faut euh, systématiser euh, les primes Est-ce qu'il faut que le gouvernement y contraigne les entreprises Quelle est votre position Bon, je crois que c'est euh, un devoir que les entreprises exercent au nom de la collectivité, que les collectivités locales euh, elles-mêmes doivent euh, exercer. Euh, euh, C'est un moment qui est très dur et dans ce moment très dur, il faut au minimum qu'il y ait des gestes de reconnaissance. Il faut au minimum qu'on comprenne que euh, ceux qui assument ce travail, qui est souvent un travail euh, manuel, un travail de, euh, de proximité, ben, ils ont droit à ce qu'on leur donne un coup de pouce, quelque chose qui leur permette de reconnaître que euh, leur travail a été repéré, a été vu et qu'on leur rend hommage. Je trouve que c'est une solidarité nécessaire. Euh, le gouvernement vient de faire des gestes très importants permettant que euh, la, la prime qui, qui porte le nom du président de la République depuis l'an dernier euh, soit versée sans charge, sans, euh, sans difficulté supplémentaire pour un certain nombre d'entreprises. Je crois que ça doit être aussi le cas des collectivités locales. Les collectivités locales, vous, vous êtes maire de Pau. Est-ce que euh, ça veut dire que euh, vous pourriez montrer l'exemple et verser, euh, verser cette prime qu'on appelle prime Macron, donc la prime défiscalisée c'est exactement ce à quoi nous travaillons avec les organisations syndicales de la mairie. Vous voyez bien que euh, ceux qui ont la charge d'entretenir euh, euh, la commune, d'entretenir la ville, euh, pour tous les autres, cela mérite qu'on on fasse un geste pour eux. Et oui, si nous devons être à, à l'avant-garde de ce geste-là, nous le serons. Donc ce n'est pas encore complètement finalisé, mais vous travaillez là-dessus, François Bayrou Allô. Oui, c'est pas complètement finalisé mais vous travaillez là-dessus François Bayrou, c'est ça On travaille là-dessus avec les organisations syndicales. Euh, quand euh, vous entendez euh, le gouvernement qui, effectivement, chaque jour annonce, euh, vous le disiez, euh, un certain nombre de dispositifs pour aider euh, les entreprises, pour aider euh, les salariés, vous avez toujours fait partie de ceux qui disaient Attention, il ne faut pas creuser le déficit, il ne faut pas creuser la dette. Évidemment, on est dans un temps exceptionnel. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plus de limites qu'on puisse euh, euh, creuser autant qu'il le faudra Alors, plus de limites, je ne dis pas ça. Je dis une chose précise c'est que du temps où, en effet, j'ai fait campagne pour mettre en garde contre le creusement de la dette, et on voit bien aujourd'hui que si on avait plus de marge de manœuvre, ça serait mieux, comme un certain nombre de pays qui nous entourent. Mais euh, du temps où je faisais ces mises en garde, la dette était une dette nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement différente, parce que euh, toutes ces dépenses qu'on doit faire, toutes ces aides qu'on doit apporter pour euh, faire face à l'épidémie de coronavirus, euh, ça, ça ne doit plus ça ne peut plus être seulement une dette nationale. Euh, pourquoi le coronavirus est la faute de personne il n'y a pas un pays dans le monde euh, dont on puisse dire, c'est eux qui ont fait des fautes de gestion, donc ils n'ont qu'à assumer euh, la responsabilité de leurs actes. Euh, ce que je crois au contraire, c'est que cette calamité euh, qui frappe le monde entier, qui a commencé en Chine, qui est en Europe, qui va être demain aux États-Unis, en Amérique du Sud, avec euh, en Afrique, euh, avec les difficultés que l'on voit, <coughs> cette calamité là, elle doit être assumée par l'humanité tout entière. Elle doit être assumée par les organisations politiques de l'humanité tout entière. Et pour moi, ça doit être une dette partagée. Il faut que les banques centrales, la Banque centrale européenne a déjà fait un certain nombre de choix qui sont justes, la Banque centrale américaine est allée encore plus loin, il faut que les banques centrales s'entendent pour que cette catastrophe qui fasse l'humanité, elle soit assumée dans ses conséquences. Par l'humanité tout est -ce entière. Est-ce qu'il faut, est -ce ce qu faut qui créer permettra... de, une nouvelle organisation au-delà des, des banques centrales Est-ce qu'il faudrait, euh, comme on a créé à un moment l'ONU, euh, imaginer de nouvelles instances de direction euh, pour effectivement mettre en commun ce fardeau Alors, moi, je suis pas du tout pour créer tout le temps des organisations supplémentaires. Je pense qu'il faut mieux faire marcher les organisations qui existent. Et. Euh, la coopération des banques centrales, vous voyez bien qu'elle qu soit officielle ou officieuse euh, dans, euh, sur euh, l'espace de la planète, elle existe en réalité entre la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne. Vous voyez qu'il y a euh, une réflexion partagée. Euh, faute. Euh, euh, qu'elle soit officielle, elle est en tout cas officieuse, et euh, euh, j'espère que la Banque centrale chinoise euh, euh, pourra, elle aussi, participer, la Banque centrale japonaise, à cette réflexion-là. Donc, euh, euh, encore une fois, c'est une catastrophe qui frappe l'humanité tout entière sans que nul n'en soit responsable. Il oh, n'y a non, pas, euh, où que ce soit sur la planète, quelqu'un mais... qui euh, en porte la responsabilité. Il faut donc l'assumer ensemble. On a envie d'y croire, euh, à cette forme peut-être d'optimisme sur un fardeau partagé, sur le fait de se mettre ensemble euh, pour y faire face. Sauf que ce qu'on constate, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, c'est quand même un peu euh, la loi du plus fort, ou en tout cas le chacun pour soi, chaque pays qui essaye euh, de gagner du temps euh, par rapport aux autres. Euh, Jacques Delors est même sorti de son silence habituel euh, pour parler d'une menace sérieuse. Le, le, le site, le climat qui règne entre les chefs d'État et de gouvernement, et le manque de solidarité font courir un danger mortel à l'Union européenne. On est loin de ce que vous espérez d'une forme de solidarité. Ouais. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont y être contraints, quelle que soit leur position de départ, euh, parce que la menace est immense. Vous voyez bien que si l'Europe n'a pas une réponse coordonnée en direction de ce fardeau partagé, eh bien elle explosera. Vous voyez bien qu'on ne peut pas dire... Euh, on abandonne l'italie à son sort on abandonne l'espagne à son sort on abandonne la france à son sort euh, parce que vous allez voir que euh, au delà des frontières euh, les, euh, les maux les calamités les victimes le nombre de personnes atteintes euh, montrent qu'il y a une unité profonde du continent européen et qu'on ne peut pas se débarrasser de cette unité uniquement au nom d'égoïsmes budgétaires nationaux. Je suis, euh, moi, très, très choqué par exemple de, euh, de la position des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont organisé une fiscalité euh, pour que les grandes entreprises aillent de préférence placer euh, leur siège européen euh, chez eux. Mais euh, on ne peut pas considérer qu'à partir de là, euh, ils sont euh, euh, exonérés de tout effort. Je crois exactement le contraire. Je pense qu'il euh, faut d'une certaine manière bloquer le compteur euh, au début de cette crise et euh, analyser les dépenses qui sont faites euh, sur l'ensemble du continent européen pour lutter contre cette épidémie du coronavirus. Cette partie-là. Du budget public doit être le plus possible partagé, euh, et ceci est la ce conception soit même une, de l'Union européenne. Une, une, que ce soit presque une, une parenthèse, y compris dans le calcul des déficits des différents États euh, On n'en est plus vraiment au calcul des déficits des différents États. Euh, je crois que cette période-là, pour l'instant, elle est mise entre parenthèses, et il est bon qu'elle le soit. Vous voyez bien que ce qui est en cause c'est euh, la plus grande crise qu'on ait connue de mémoire d'homme sur l'ensemble de la planète depuis euh, plusieurs siècles parce que cette crise elle a en effet un aspect sanitaire extrêmement dangereux mais vous voyez bien que l'économie de la planète s'est arrêtée euh, sur euh, euh, sous toutes les latitudes et dans tous les pays euh, que aujourd'hui euh, un euh, habitant de la Terre sur deux, ou presque, est confiné, et ceux qui ne le sont pas courent de terribles risques. Euh, je pense euh, à l'Afrique. On vient de voir que euh, Pape Diouf a été, hélas, le premier mort du coronavirus au Sénégal. Mais vous imaginez les risques de contagion, euh, les risques de contagion en Amérique du Sud. Et vous observerez que tous les chefs d'État qui voulait d'une certaine manière hausser les épaules et considérer que bon c'était pas pour eux qu'ils allaient être plus malins que les autres qu'ils allaient jouer avec l'épidémie tout cela sont obligés aujourd'hui euh, de faire des volte-face à 180 degrés et de prendre une position différente c'était le cas de Boris Johnson c'est le cas de Trump c'est le cas ça sera le cas de Bolsonaro demain au Brésil on est obligé de considérer que le les disciplines, les efforts, les contraintes qui viennent de cette épidémie, Touche l'ensemble des pays de la oui, planète. Mais nous, oui, mais nous, François Bayrou, euh, certes, on en a parlé euh, très tôt, mais il y a eu cette question du maintien du premier tour euh, des élections. Euh, vous, vous aviez euh, tenté d'alerter euh, Emmanuel Macron et Édouard Philippe en disant il ne faut pas tenir ce premier tour, y compris jusqu'à la veille. Euh, vous avez tenté de faire annuler ce premier tour des élections. Vous n'avez donc finalement pas été entendu. Quel est votre regret aujourd'hui par rapport à ça Bon, mon regret, c'est que alors même que le président de la République était acquis à cette idée, j'en atteste parce que j'étais à tout instant pendant ces heures-là en ligne avec lui, il était acquis à l'idée de reporter cette élection. Et puis, des responsables de l'opposition, et non des moindres, et puis... Toutes les, toutes les organisations politiques de l'opposition, en, en vérité. On dit ça, c'est une ruse, c'est une atteinte à la démocratie, on veut nous empêcher de tenir les élections, c'est scandaleux, on, on se prononcera contre publiquement. Or, ce que le président de la République avait en tête, c'était qu'il y ait un consensus que toutes les forces démocratiques puissent dire écoutez aujourd'hui c'est pas raisonnable on va reporter un peu plus loin les élections c'est ce qu'il aurait fallu faire pour des raisons sanitaires et pour des raisons j'allais dire psychologiques dans l'opinion euh, on peut pas à la fois fermer les bars et les restaurants euh, demander aux gens de ne pas sortir de chez eux et puis euh, maintenir cette organisation bon c'est fait c'est fait c'est derrière nous mais, mais, mais ça veut euh, dire de pardon qu'il il, il, il y a eu il y a eu un manque de civisme un manque de civisme, et une forme de responsabilité de la part des oppositions Bon, je, euh, vous sentez bien que je n'ai pas envie d'être aujourd'hui dans des polémiques euh, internes au monde politique français. Je, je trouve que ce n'est pas bienvenu. Et je trouve que ce qu'ils font, euh, comment dirais-je, ne, ne, ne donne pas sa place à, à ce sentiment de. Co responsabilité qui doit nous animer tous. Je sais pas vous euh, ça fait très longtemps très longtemps euh, que les questions que a eu à traiter le monde politique n'étaient pas des questions de vie ou de mort. Ça fait très longtemps que euh, le, le sentiment euh, que la société peut être euh, entraînée vers euh, une dissolution vers des attitudes qui sont des attitudes de dispersion, d'antagonisme euh, qui menacent même <laughs> la vie au sens propre de nos concitoyens, euh, ces sentiments-là de responsabilité doivent s'imposer à tout le monde. Et pour moi, autant que je pourrais euh, je ne ferai pas de polémique euh, malvenue. Oui, mais malgré tout, vous rappelez quand même euh, qui, à un moment, a, euh, a freiné cette décision. Cela dit, d'ailleurs, on peut se dire que le président de la République lui-même, à un moment, aurait pu euh, le décider malgré les oppositions. Est-ce que c'est pas ça qu'on attend aussi d'un chef d'État Bon, le. le... Le, le sentiment de la plus grande responsabilité d'un chef d'État, en tout cas, je crois, tel que le président de la République le ressentait à cet instant, c'était que le pays soit uni c'était que euh, on n'aille pas à des décisions en ordre dispersé. Alors, euh, pour ma part, j'avais le, le sentiment que, que le risque était grand, euh, mais euh, je comprends aussi qu'on puisse dire on va entraîner tout le monde, on ne va pas se lancer dans des décisions qui pourraient apparaître des uns contre les autres. Euh, Aujourd'hui, on est donc euh, en tout cas dans ce, dans ce confinement, ce confinement dont vous dites euh, vous-même euh, qu'il sera sans doute amené à durer. Essayons quand même de commencer à nous projeter euh, vers l'après. Il y a la question sanitaire et puis la question économique. Sanitairement d'abord, euh, ce confinement, il y a une question de sortie mais aussi des modalités de sortie. Comment vous imaginez la suite Est-ce que euh, du jour au lendemain, on pourra claquer dans les doigts et repartir vers une vie euh, comme avant euh, ou est ce qu'il faudra le faire de manière progressive. Bon, d'abord, c'est la question essentielle. Tout le monde voit bien que le confinement sert à ralentir la propagation du virus pour des raisons qui sont des raisons euh, euh, immédiates. Je pense par exemple à la saturation des services d'urgence des hôpitaux et pour des raisons qui sont de plus long terme. Est-ce qu'on va pouvoir avoir tous les équipements nécessaires Est-ce qu'on va pouvoir avoir tous les tests nécessaires Est-ce qu'on va pouvoir euh, 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 expérimenter des traitements Enfin, tout cela est, est évidemment euh, sont évidemment des questions euh, qui demandent à avoir une, euh, un certain délai pour qu'on puisse les organiser. Donc, le confinement, c'est la mesure d'urgence la plus importante, et, et tous les épidémiologistes sur toute la planète sont d'accord sur ce sujet. Mais évidemment, tout le monde voit bien que ça ne va pas suffire à arrêter le virus. Et donc, euh, ce, qui est, ce qui est très important, c'est que les citoyens puissent se faire une idée, nos concitoyens, de la manière dont on va sortir du confinement. Quelle sera l'étape d'après Moi, ce que je crois, euh, c'est que euh, quand on regarde ce qui s'est fait ailleurs, en Corée du Sud, par exemple, on voit qu'il y a une mesure euh, que, dont on n'a pas les moyens encore aujourd'hui, je sais bien parce qu'à Pau nous y travaillons euh, tous les jours, euh, c'est euh, une capacité de détection généralisée. Qu'on puisse, lorsque le moment viendra de lever le confinement, qu'on ait euh, les moyens euh, de voir qui a été atteint par le virus, qui est porteur du virus euh, dans, le, dans le moment présent et qui n'a pas été atteint. Il se trouve que les tests que nous avons aujourd'hui, sans vouloir faire de, de précisions techniques, mais les tests que nous avons aujourd'hui sont des tests qui mesurent la présence du virus au moment où on fait le prélèvement. Mais il y a d'autres systèmes de détection qu'on appelle sérologiques et qui regardent dans le sang euh, la trace de la contamination du virus. Le fait de l'avoir eu. Euh récente ou euh, très antérieure le fait de l'avoir eu parce que en principe je dis en principe parce que les débats euh, médicaux comme vous savez sont très importants en principe lorsque on a rencontré le virus on est euh, vacciné d'une certaine manière, et donc euh, on est à l'abri d'une recontamination sous des que cas extrêmement. Vous margineux. seriez vous seriez favorable idéalement à euh, un test euh, quasi généralisé euh, pour pouvoir vérifier effectivement qu'on a les anticorps qu'on l'a bien eu. Euh, mais vous le disiez vous-même, vous disiez dont on n'a pas les moyens aujourd'hui. Est-ce que c'est pas tout le problème malgré tout on, on découvre alors, vous le disiez, il ne faut pas faire de polémique. évidemment, ce n'est pas le moment, mais il y a quand même un petit découragement quand on a le sentiment que parfois euh, les masques, on nous a dit, c'est pas utile, mais on se rend compte que c'était aussi parce qu'on n'en avait pas. les tests, on nous a dit, c'est n'est pas forcément utile de les généraliser, mais c'est aussi parce qu'on n'en avait pas. est-ce qu'on aura les moyens, à temps, pour pouvoir sortir de cette crise avec des tests généralisés comme vous l'évoquez? alors, il y a deux questions dans votre question. la première, c'est, est-ce euh, qu'on a, est-ce qu'on aura? les moyens de cette détection là je crois que oui d'après ce que disent les, les industriels et euh, à la fois ceux qui produisent les machines qui font les tests et ceux qui produisent les, euh, les réactifs chimiques euh, oui je crois qu'on aura à court terme ou à moyen court terme euh, les moyens de faire des détections très larges. Il y a euh, des appareils, des machines, notamment pour les tests sérologiques, qui permettront de traiter euh, plusieurs centaines de milliers, peut-être euh, davantage encore, de tests par semaine. Bien. Euh, et après tout, il y a des pays qui ont, qui ont fait cela. Donc je crois que techniquement, on pourra, et euh, les pouvoirs publics feront l'effort nécessaire, je n'ai aucun doute. Il y a une deuxième question. C'est est-ce qu'il a été prudent, dans la période passée, de se défaire, de se démunir de nos capacités de production De production de médicaments, j'entendais tout à l'heure. Euh, L'appel des responsables des hôpitaux et notamment des hôpitaux de Paris sur le fait qu'ils euh, craignaient de manquer des médicaments nécessaires, notamment pour les anesthésies euh, du curare par exemple. Euh, et donc euh, de ce point de vue-là, est-ce que ça a été prudent de se démunir, euh, euh, y compris de la fabrication des masques Le président de la République a répondu hier. Je fais, j'ai le même sentiment que le sien. Euh, ça a été très imprudent. Vous vous souvenez que j'ai fait des campagnes présidentielles sur le thème de produire en France, produire en Europe, parce que ce qui est de l'ordre de, euh, de, de l'essentiel pour l'indépendance d'un pays, ce qui concerne sa santé, ce qui concerne sa défense, alors il faut à tout prix qu'on le conserve sur le sol. Je dis pas seulement du pays, mais de notre Union européenne, au moins de l'Union européenne étroite, ceux qui décident, ceux qui ont la, ceux qui ont la volonté, euh, et au fond, c'est ce que Jacques Delors rappelait, d'aller de l'avant euh, ensemble. Et donc, et donc, et donc, donc vous pensez que travailler sur l'indépendance, sur l'indépendance, il faudra un avant et un après, parce que je ne crois pas une seconde que euh, la société repartira après une crise euh, sanitaire, économique, sociale démocratique peut-être euh, de cet ordre-là. Je ne crois pas qu'on va repartir comme avant. Par exemple, je ne crois pas Merci. que euh, la manière de vivre ensemble, de se saluer, sera la même qu'avant. Beaucoup de choses vont changer. Et d'une certaine manière, il y a peut-être aussi un espoir dans le fait que tant de choses vont changer dans la société. On restera sur ce mot-là, le mot d'espoir. On en a tous envie et on en a tous besoin en ce moment. Merci François Bayrou d'avoir été avec nous en direct de Poitiers.